que j'ai bien réussi mon maquillage aujourd'hui. Regarde. Ouais, il est bien. Il est bien fait. Ouais. C'est bon, on est au top. Top. Alors, tu tournes. Il y a beaucoup de crottes, du coup il y a beaucoup de lumière et on va briller, alors il faut mettre de la poudre. Qu'est-ce que ça fait que ça soit le dernier jour là? T'imagines, c'est le dernier jour. Oh non, arrête ça. Quoi? C'est passé hyper hyper vite, mais en même temps, c'est passé, mais franchement, c'est hein, super longtemps. Alors ça a commencé il y a très longtemps. En fait, là on vit le rêve de tous les cheerleaders. Du monde entier. Du monde entier, même pas que de France, du monde entier. Il y a des cheerleaders américains qui ont un niveau beaucoup mieux que le nôtre qui vont pas au World quoi. Mm. Alors que nous, on a la chance d'y aller. C'est bien, bien mieux. Et c'est pas aussi frustrant, en fait. Parce que l'année dernière, je suis venue. Mais j'ai rien fait. Bon, il faisait beau, c'était bien, mais... mais c'est super frustrant. Parce que tu vois les autres faire ce que tu aimerais faire. Je pense que mon jour, on peut en voir plus qu'il y a. Et s'amuser parce qu'au final, franchement, on n'a pas de. Comment dire? C'est pas comme si on avait gagné. Et on n'a rien à perdre, on n'a rien à gagner, donc autant s'amuser. Franchement, je suis contente. Hein. Du coup, on a plein de trucs qui sont pas de niveau 5. On est arrivé 18ème sur 24, ça va. Hein. Franchement, au moins, on n'est pas arrivé dernière. Quoi. Il y a Spirit of Texas, ils sont près devant chez nous. Genre devant, juste devant. Mais ça, c'est la base, tu regardes pas la fenêtre, tu vois les Spirit of Texas, tu sais. Trop trop bien. J'ai envie de revenir, de rester ici, c'est parfait quoi. On a fait avec les cheetahs et tout, c'était trop. La pote, c'est la partie des. La pote, c'est les Lady Bullets. On a fait avec la Stray, avec le Team Stream, la Team Logger. Je me dis que ça fait des années que je regarde à la télé et tout. Que pour moi, c'est des légendes, ça vient à fond de l'instant. Sur le même prat que eux, genre je suis heureuse, je comprends même pas ce qui m'arrive. Et là, je suis au milieu d'eux comme ça. Mais tout va bien, je les croise comme ça, bonjour. Bah, tu te rends compte que c'est des gens comme toi, genre. J'y parle même trop, enfin, c'est trop marrant. Hier, pendant notre passage, avant de passer, je me suis dit, putain, il faut vraiment qu'on profite à fond parce que, genre, quand on aura fait celle-là, après, on aura fait plus de la moitié. Genre, il en restera juste une seule. Et une seule, c'est rien du tout. Enfin, ça va passer en deux secondes. Franchement, moi, sur le prat hier, j'ai trop kiffé, j'ai trop profité. Mais là, est-ce que... Enfin, je m'en vais partir en dépression demain. Non, pas demain. Non, moi, c'est jeudi quand je vais retourner travailler et tout. Ah. En plus, nos journées, elles ont été tellement remplies. Enfin, c'était un truc. On a fait des trucs tout le temps. On a été dehors tout le temps. Il y avait du bruit tout le temps. On a fait du sport tout le temps. Franchement, c'était trop bien. Après, c'est vrai qu'en tant qu'athlète, je vais essayer de donner le maximum de moi-même, de motiver un maximum mon équipe pour qu'on puisse finir sur un hit, aussi bien pour, parce que je suis pas toute seule à arrêter, aussi bien pour les anciens que ceux qui arrêtent ou pour les nouveaux. Donc voilà. On verra. Pour l'instant, je suis pas trop stressée. Je m'occupe d'abord des All Girls et on verra après pour Covid. Routine yesterday, amazing. We have to change our dance a little, just at the end. Yes? Yeah. Easy, easy. But we need to perform bigger, more faces. Okay? 1, 3, 5, 7, 1, 3. Ladies, before the waterfall, ID needs to be bigger, stronger. 1, 2, 3. Allez, Sarah. 5, 7. Allez, Sarah. 1, 2, 3. Vous commencez émotion et vous ne finissez pas. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
Yes. And we're ready for our next team. Coming to you from France, receiving their bid at the French National, this is Cheer Access Eternity. Go get co-ed. You guys should be very proud of yourself. Good run, okay? Our deductions that we had, the bobble and the touch, it's the same as yesterday, but no music deduction, right? So we went up at least 4 points. Chute à la Lopido en train d'attendre. Quand la musique de l'équipe précédente s'arrête, c'est là que ton cœur il va hyper vite et ton ventre commence à être ballonné. Et tu te demandes ce qui va se passer, tu commences à paniquer. Et quand tu dis vas-y, c'est là que tu vas et tu dis tout et le chant commence. C'est cette sensation qui est hyper impressionnante en fait. C'est vraiment, c'est à ce moment-là que tu te dis je suis au championnat du monde, je vais représenter la France, je vais représenter mon équipe. Et je suis avec tout le monde et je vais tout donner. C'est bien. Bravo, soutien.
On a réussi, on a été l'arrivée. C'est vraiment top parce qu'on a su élever notre niveau au moment où il fallait, donc c'est vraiment top. Non, je suis content. Je suis à bout de souffle. Je m'en peux plus, mais pour moi, ça a été là, notre passage en finale, c'était la meilleure prestation des trois passages. Mettez-vous sur l'air. Tu veux pas venir partir chez moi? On va pas sur l'air. Ouais. Dernier Worlds, ça y est, au moins on a hit la routine, c'était pas encore parfait, mais c'était mieux qu'hier. Reste plus que la finale, on verra la finale ce qu'on fait, mais voilà, un gros pincement au cœur parce que c'est la dernière fois que j'étais sur le Pratt avec mon équipe. La dernière, c'était la meilleure. C'est là où j'ai eu le moins de stress et que je me suis plus éclatée. Bah, je suis triste un peu quand même, parce que je me dis que c'était la dernière fois que je montais sur le Pratt en tant qu'athlète. Bon ça va, on a fait une routine plutôt correcte. Je trouve un peu moins bien qu'hier. C'est la fin, c'était le dernier passage et puis c'était le dernier passage de certaines personnes qui étaient avec nous aussi. Une expérience à vivre et je pense que pour tout cheerleader, ça doit être une motivation. Ouais, ouais. Franchement là, c'est parti de mes meilleurs moments. Everything is great, we are all happy. Franchement, c'était archi bien. C'est passé trop vite, on était trop compétition, c'est passé trop vite. Et j'ai adoré. C'est ok parce qu'on n'a pas l'impression qu'on est championnat du monde, c'est un Pratt comme, enfin, comme tous les Pratt. Sauf qu'avec 2016, donc, du coup, ça, enfin, on sent qu'on est au Worlds quoi. On donne tout ce qu'on a et on montre notre équipe internationale, même aux Américains. C'est fou quoi. Aussi, enfin ouais, c'est vraiment la plus belle expérience que j'ai pu faire toute ma vie. C'était plus marrant à la première compétition qu'il y a hier que la finale, mais c'était ce que j'ai envie, c'était cool. Sur le Pratt et tout, même les entraînements avec toute famille, c'était grave cool. Corinne était trop gentille, elle m'a tous encouragé et tout, c'était grave. Voilà, je suis trop triste que ça finisse, mais c'est trop cool.